Bonjour à tous, je reviens dans une petite vidéo pour vous montrer les vernis Bayerwen que je viens de recevoir, qui sont en fait les vernis que j'avais commandés lors de la dernière vente flash. Donc ça a été un peu long pour les recevoir, mais franchement, c'est dans les délais annoncés, donc moi de toute façon il n'y a aucun souci, je sais très bien qu'ils me préviennent ou quoi que ce soit, surtout que j'ai eu droit à plein de petites choses et des faveurs qui font que c'est encore plus génial. Donc je vais d'abord commencer avec les vernis, ensuite je vous montrerai les cadeaux, parce que j'ai eu des cadeaux. Enfin même des cadeaux en vernis, enfin vous allez voir. Enfin des vernis en cadeaux, parce que des cadeaux en vernis... Bref, allons directement. Je voulais absolument me prendre le What the Fuck. Donc le WTF, qui est un vernis très connu de chez Bayerwen. C'est celui qui change en fait de couleur, et j'ai oublié de prendre un truc, donc je reviens. Donc voilà, j'ai cherché ce qu'il fallait, je vous parlais du What the Fuck. Et c'est celui que j'ai mis sur ce doigt là. Alors c'est pas pour vous faire un doigt d'honneur ou quoi que ce soit, je vais mettre le doigt à côté, donc c'est celui là. Donc comme vous voyez, en ce moment j'ai les ongles courts, donc forcément il est rose. Mais j'ai ramené un bol d'eau, c'est ça que j'avais oublié, pour vous montrer ce que ça donne à froid. Alors vu que l'eau est pas très très fraîche en ce moment, vu qu'il fait chaud, ça va être compliqué de vous montrer la couleur. Je vais faire vite. Vous voyez, en plus ça redevient tout de suite froid, enfin chaud. Donc je mets mon doigt dans l'eau pour vous montrer, et voilà. Donc la couleur change vraiment et c'est trop beau. Donc quand j'aurai les ongles un peu plus longs, forcément ça sera un peu plus joli. Mais voilà, c'est vernis qui change de couleur selon la température. Donc pour l'instant il fait chaud, donc moi c'est tout rose. Ça tombe bien, j'adore le rose, sinon il est violet. Et donc pour l'hiver, voilà, enfin bref. Je trouve ça vraiment génial, j'adore, je suis fan. Pratiquement le même que j'ai pris, mais petite différence. Là c'est le Oh My Fucking God, ouais c'est ça, OMFG. Donc qui, comme vous voyez, en fait a la même couleur pratiquement de que What The Fuck. Alors c'est celui que j'ai sur ces deux doigts là. J'espère que ça fait la mise au point, je ne vois rien. Et c'est la même chose, alors je vais mettre les doigts dans l'eau pour vous montrer, parce que l'eau me rafraîchit quand même les doigts. Et vous allez voir, vous voyez pas beaucoup, hein. Mais ça fait pareil, ça fait violet. Alors la différence avec le What The Fuck, c'est que dans le Oh My Fucking God, il y a des petites paillettes dans le rose qui font que même le... que voilà, ça fait une couleur légèrement différente par rapport au What The Fuck. C'est à dire que vous n'allez pas beaucoup voir la différence entre les deux. Je ne sais pas, allez, fais une mise au point sur les ongles s'il te plaît. Voilà. Bon, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc voilà pour les deux violets roses qui changent de couleur. Un autre vernis qui change de couleur selon la température, c'est le Oh My God, qui est comme ceci. Voilà. Et qui donne celui-là sur mes ongles. Pareil, je ne vais pas vous faire un doigt d'honneur ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est celui qui est là. Et pareil, il change de couleur, s'il veut bien. J'ai mis quelque chose par-dessus sur cet ongle-là et il a du mal à changer de couleur. Mais donc voilà, vous voyez là, il est... En fait, ouais, là j'arrive pas à le faire changer de couleur parce que j'en ai mis un autre par-dessus pour renforcer le côté blanc. Et voilà, on voit bien en fait les paillettes au fond. C'est la couleur que ça fait quand c'est chaud, et quand c'est froid, c'est orange. Là par dessus j'en ai mis un autre que je vais vous présenter tout de suite, que j'ai eu en cadeau, tant pis hein. C'est le Métamorphe, que je trouve absolument merveilleux. Donc c'est un vernis transparent qui, quand on le met par dessus un autre vernis, change un peu sa couleur. Moi je trouve que ça le... ça met un voile par dessus que je ne saurais expliquer. Je n'ai pas été recherchée sur la page de Bayerwen exactement ce qu'il faisait, mais je trouve ça vraiment magnifique. Je l'ai mis sur un autre que je vais vous montrer. Et voilà, ça fait un léger changement qui est juste dingue, qui est juste trop beau. Et donc le Oh My God, je le trouve vraiment
superbe. Alors désolée pour l'état de mes ongles, en ce moment c'est un peu galère, je voulais absolument faire des swatchs pour voir un peu ce que ça allait donner. Ensuite, pareil en cadeau, parce qu'en fait j'en avais acheté un mais on en a mis deux, c'est le Kalesi, qui était une édition limitée, qu'elle a fait à 10 exemplaires si je ne me trompe pas, qui a un magnifique noir avec des paillettes, il y a du rouge, il y a du rose, il y a des tas de choses. Donc le Kalesi que se présente comme ceci. Et en fait celui-là je ne l'avais pas acheté pour moi, je l'avais vraiment acheté pour Aline de la chaîne Faiblesse, parce que je sais que c'est le type de couleur qu'elle aime. Et là je ne l'ai pas tout seul, donc je l'ai sur mon petit doigt. Ouh, je ne sais pas tout faire péter. Avec le métamorphe par dessus, et en fait je trouve qu'il donne bleu marine comme ceci. Alors je sais pas tout ce que ça va rendre à la caméra. Il est magnifique, alors peut-être pas pour moi pour l'été, mais là pour l'hiver ça va être juste dingue, je trouve qu'il est trop beau. Et je l'ai mis sur un autre de mes ongles pour vous montrer le Pink Strass Party que je n'ai pas remué. Donc le Pink Strass Party qui est comme ceci. Et donc j'ai mis par-dessus Kalesi pour tester. Je mettrai par-dessus Absolutely Black. Enfin, j'arrive pas à vous montrer mon pouce en face. C'est galère. Voilà. Je crois que vous l'avez vu. Mais donc voilà. Il fait plein de petites paillettes. Donc il y a des paillettes violettes. Il y a des sortes de grosses paillettes. Enfin, grosses paillettes. Des petits points roses et des étoiles argentées. Et je le trouve trop beau. Il n'y a pas à dire. Je le trouve trop trop beau. Les deux ensemble, je le trouve trop beau. Je pense qu'avec Absolute Black, ça sera pareil. Et un que je me suis battue pour l'avoir parce qu'il était aux enchères. Et je ne regrette absolument pas parce qu'il porte trop bien son nom. Il s'appelle Sans Sas et il est vraiment sans sas. C'est celui-là. Alors je trouve que dans la bouteille il fait vraiment couleur rouille. Vous allez voir sur le doigt comment il est trop merveilleux. Alors en plus là il est déjà écaillé parce que j'ai pas attendu qu'il sèche pour faire des choses. Donc forcément ça s'est accroché à droite à gauche. Mais ne croyez pas qu'il ne tient pas, au contraire. C'est juste que moi je suis une grosse bourrine. Et c'était juste des swatchs parce que je vais les retirer juste après pour en mettre un seul. Je ne sais pas encore lequel. Vraiment voir ce que ça donnait. J'ai fait ça tout à l'heure. Donc voilà, le Sans Sas. Alors si vous voyez qu'il y a une différence entre les deux, c'est parce que j'ai voulu tester sur un côté de mon ongle avec le métamorphe. Je trouve pas que ça change grand chose sur celui-là. Mais il est juste trop beau. Trop trop beau. Et je trouve pas qu'il rende la même couleur entre la bouteille et mon ongle. Il est beaucoup plus beau sur l'ongle, je trouve. Mais bon, il est juste sublime. Je suis trop 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 contente de l'avoir gagné, celui-là, aux enchères. Je me suis vraiment battue comme une lionne pour l'avoir. Donc je suis vraiment plus que trop ravie. Avec tout ça, j'avais pris un autre What the Fuck pour Aline d'ailleurs, juste pour vous dire. J'ai eu plein de cadeaux, mais absolument plein de cadeaux. Donc déjà le métamorphe, le Kalesi en plus, parce que je n'avais commandé qu'un seul. Des petits décalcomanies comme ça. Cela me plaise beaucoup. Je vais sûrement en utiliser là avec la prochaine manucure que je vais faire. Ensuite, il y a un petit pendentif tête de mort orange qui, je trouve, ira superbement trop bien avec une manucure avec Oh My God. Donc, il est comme ceci. Un collier. Parce que oui, j'étais plus que gâtée. Vous le savez, à chaque fois, je suis trop gâtée. Les gens sont trop gentils. Donc un collier qui est comme ça, qui est magnifique et qui va pareil trop bien avec Oh My God, je trouve, parce que c'est le côté blanc de Oh My God que je trouve absolument merveilleux. Des touillettes pour touiller le vernis au cas où. Pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Et des petites paillettes comme ceci à coller sur les ongles. Donc des petites paillettes, il y a des cœurs, des étoiles, petites, grosses, des bleus, des roses. Et voilà. Une petite lime que je mets dans mon sac, c'est toujours pratique. Et un coupe-cuticule.
Je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà, ça c'est pour tout ce que j'ai reçu de chez Bayer Owen. Je suis plus que contente. Merci énormément à Owen, merci énormément Tonio. Merci à toute la communauté Bayer Owen. C'est vraiment un bonheur, ces vernis et tout ce qui entoure ces vernis, cette marque. C'est vraiment que du bonheur. Je ne peux que vous encourager encore et toujours à aller voir la page, à vous renseigner sur les produits, à éventuellement commander si vous en avez envie et les moyens. Bien qu'ils ne soient pas si chers que ça, ce sont de très très bons produits qui sont faits main et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir à Tonio et à Rowan. Ils sont vraiment adorables, ils vous répondront pas forcément dans la seconde, hein, faut leur laisser le temps, ils font ça vraiment avec le cœur aussi et c'est pas des machines, hein, on n'est pas dans une multinationale. Donc bah voilà, j'ai fini avec cette partie. Je voulais vous dire que justement, comme je l'avais annoncé dans, il y a deux vidéos, j'ai tourné un dans ma peau en quelque sorte. J'ai fait un week-end avec moi que j'ai posté sur la chaîne de collab 7 jours de folie. Donc je vous mettrai le lien quelque part par là et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de passer un petit week-end avec moi en Normandie. Et je vous laisse tout de suite avec le petit teaser que je vous ai préparé par rapport à la grosse surprise de la rentrée. Donc je peux pas, pour l'instant j'ai pas envie de vous en dire plus que ça. Il y aura bien sûr deux bandes annonces par rapport à cet énorme événement pour la rentrée que nous vous préparons avec plein de monde. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu la bande annonce que moi je posterai le 10 août parce que j'ai pas envie de la poster avant, donc vous aurez la bande annonce le 10 août et pour l'instant je vous ai préparé un mini teaser pour vous mettre en suspense, en haleine ou quoi que ce soit et je vous dis à bientôt, profitez bien, ciao ciao.